On se pose souvent la question du client idéal et on fait le travail du persona et c'est quelque chose que j'enseigne et que j'ai toujours enseigné aussi. Quel âge a votre persona? Est-ce que c'est un homme, une femme? Quelle est son activité? Bref, tout ce travail-là dans l'idée de pouvoir mieux trouver son persona, son client type, pour pouvoir mieux ne pas perdre son temps et pouvoir passer du temps avec ces gens-là qui auront beaucoup plus de chances de devenir client que de communiquer à tout le monde. Mais il y a un élément dans ce persona-là qui est clé et qui va falloir travailler. C'est cet élément, et c'est aussi un autre angle d'attaque, c'est pas de réfléchir en tant que client idéal, mais en tant que problème idéal. Qu'est-ce que mon client, en tant que futur coaché, a comme problème idéal? En gros, quel est son problème urgent et important? Parce que si vous arrivez à repérer son problème urgent et important, ce sera beaucoup plus facile pour vous de lui offrir une session et de lui vendre du coaching. Donc voilà, c'est un conseil rapide, mais ça peut faire toute la différence. Quel est le problème idéal? Une question que je pose aux gens que j'accompagne, c'est si sur les 6 prochains mois, vous ne deviez accompagner qu'une seule personne, une seule, pas deux, hein, quelle est cette personne? Quel serait son problème qui vous enthousiasme? Je ne sais pas si ça vous arrive, hein, quelquefois il y a des gens qui ont un type de problème, vous dites, oh génial, quoi, moi je suis un peu comme ça, oh génial, je kiffe entendre ce genre de problème et aider ce genre de personne. Bah, quel est ce genre de problème que votre client idéal a et que vous aimez, avec lequel vous aimez travailler? Et si vous résolvez cette question-là, vous comprenez quel est le problème idéal, bah, vous pourrez beaucoup plus facilement aller sur les réseaux sociaux notamment ou trouver des partenaires avec qui travailler pour travailler autour de cette thématique. Si par exemple quelqu'un est en exemple classique, hein, vous êtes coach en nutrition et la personne en face a des problèmes de poids, bah, il suffit pour vous d'aller sur Facebook et dire voilà, perte de poids, perte du ventre, perte du gras, etc. Parce que vous avez repéré le problème idéal, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller chercher après votre client idéal. J'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'en description, vous aurez la possibilité de prendre un appel avec un membre de notre équipe où on va pouvoir vous aider plus calmement plus posément dans votre challenge du moment. Quel est votre principal challenge du moment? Est-ce que ça fait des mois que vous bloquez dans votre business et que vous avez besoin d'aller plus loin? On sera ravis de vous aider. Donc, je vous dis à très bientôt à travers le lien en dessous et vous aurez soit Emmanuel, soit Sébastien au téléphone et vous allez voir, ils sont vraiment très chouettes. Je vous dis à très bientôt. Ciao!